Salut l'équipe, bienvenue sur K-Lab. On est super content d'en trouver aujourd'hui. Comme d'habitude, t'as été très expressif sur ce salut l'équipe, mais bon, à cause de ça montre son enthousiasme à faire la vidéo. Très très motivé. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais. Les sélections SAP sneakers. Hier, yeah, Force Fine Blanche. Non, ça y est. Attends, calme-toi. Tu pourras le dire après si tu veux. Mais sélection SAP, item, un peu hype pour qu'on a envie de s'acheter pour cet été. Ouais. Donc voilà, on va vous dire un peu, vous conseiller un peu nous ce qu'on kiffe et voilà. Comme ça vous pourrez voir si vous kiffez ou pas. Exactement. Et passer un été ouf. Oula, bizarre ça. Mais oui, effectivement, selon nous, nos désirs et nos envies. Donc moi je commence avec l'item numéro 1, très important. Très important. Quand le soleil bat son plomb sur la plage. Que j'ai eu la chance d'avoir grâce à de très bons amis et une très bonne copine. Effectivement. Mais bon, il l'a déjà pour le coup. Vraiment, je l'ai déjà. C'est très important pour souvent de vos yeux, des lunettes de soleil. C'est alors vrai. Pas forcément, faut être honnête, on s'en fout. Moi, en l'occurrence, ils vont faire des lunettes de soleil. Je les remercie. Moi, en l'occurrence, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Et franchement, la qualité est vraiment au rendez-vous. Tu sais quand même que la première fois que je les ai vues, je me suis dit quand même, elles ressemblaient aux lunettes que tu mets dans les cinémas pour la 3D. Ouais, à mort. Putain, je vous jure, quand je vois les porter, ça fait un peu. Enfin, ça fait vraiment le style de Virgil Abloh quand il les mettait. J'adore. Vas-y, essaye. Mec, t'as une petite tête. Après, tu vois, moi je me suis vu avec. Bon. Si, moi je trouve ça va bien. En fait, bah lui, il a pu les avoir. Moi je vous mettrai une photo à l'écran. J'ai un modèle que j'ai vu sur un influenceur qui s'appelle Gon Olivier sur Insta. Et il porte une paire de lunettes off-white avec le logo blanc. Et en fait, il y a une petite bordure blanche qui est vraiment magnifique. Je sais pas si off-white la vendent, mais en tout cas, voilà. Voilà, en gros, premier item, des petites lunettes de soleil. Et parfois ils sont très très bons pour ça, mais il y a d'autres marques, hein, ouais. En fait pas. En tout cas, toi ça a été les lunettes de soleil. Moi pour ma part, je vous avoue, il y a une petite paire qui commence à. Part sur les sneakers direct, il attend. Direct, pas. Non, moi j'attends pas. Moi je fais de bas en haut, tu vois. Toi tu fais de haut en bas, moi je fais de bas en haut. Donc il y a vraiment beaucoup de paires là sur lesquelles j'ai envie de les choper pour pouvoir les porter ou même les avoir. J'ai fait entrer dans une sélection, mais il y a plusieurs paires. Déjà, il y a la size B para. Que l'abstract, je la trouve qui n'est pas là d'ailleurs. Qui n'est pas là. Mais si elle est là. Non. Si. Elle est en haut. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que. Vas-y. Je la trouve vraiment magnifique et surtout les gars pour cet été. Mais wow, elle est magnifique. Bon, en tout cas, voilà. Bon, voilà. Moi, j'ai envie de me choper cette petite paire avec une autre paire, la Sean Waterspoon. J'espère pouvoir la trouver à bon prix d'ici cette année. Ça, moi, ce sera pour cet hiver. C'est vrai ? Ouais, je pense. Plus pour l'hiver prochain. Ah, mais hiver 2022. Oui, hiver 2022. Bon, voilà. Du coup, moi, je vais enchaîner sur une sacoche. Parce que moi, je trouve que c'est hyper important, la sacoche. Pour quand t'es en été, t'es en short, t'as pas envie de t'embêter avec les trucs dans tes poches et tout. Ma mère qui m'a regardé la vidéo là. Pas pour ranger ça, pour ranger juste ton téléphone, tes clés, tes trucs que t'as pas envie de perdre quand t'es sur la plage et tout. Et pour ça, en ce moment, il y a un compte Insta que je suis, je vous mettrai à l'écran, qui arrive à retrouver des vieilles sacoches néo-rétro Dior. Ça vaut genre 150-200 €. Alors elles sont déjà portées, elles sont bien abîmées et tout, mais il y a des colorways hyper été, genre bleu, très clair et rose. Et je vous mettrai une photo à l'écran et franchement, je kifferais m'en choper une. C'est des petites sacoches carrées, enfin cette taille là. Dior ? Ouais. D'accord. Mais c'est vraiment un truc qui a au moins 20 ans, tu vois. C'est vraiment des vieilles sacoches. Mais c'est vrai et que. Un peu dans le style, tu vois, la Louis Vuitton très vieille que je t'avais montré. Ouais, effectivement. Donc c'est vraiment des items qui en fait valent pas trop cher par rapport à ce que ça vaut maintenant une sacoche, même si ça reste un budget, et qui ont vraiment des beaux colors, ouais. Bah alors, en tout cas, pour ma part, mon deuxième, deuxième objet. Enfin, objet, vêtement un petit peu hype que j'aimerais m'acheter. Ça fait peut-être 2-3 semaines. Enfin, alors, avec Louis, on le suit depuis longtemps. Mais je vous avoue, je suis vraiment tombé amoureux de tous les saps qu'il a pu sortir. Du coup, l'artiste Supra, il a pu faire une collection triple sphère. Et j'ai pu me choper la Racing Jacket quand il a fait son drop. Et je la trouve magnifique. Racing Jacket. En rose, je la trouve magnifique. Et je me suis intéressé un petit peu à la collection qui avait sorti avec du coup le triple sphère. Et il fait des shirts et des t-shirts qui sont magnifiques. Et pour cet été, il fait des couleurs un peu crème. De toute façon, vous aurez des visuels à l'écran. Et je les trouve vraiment... ils sont super originaux. Ouais, franchement, il y a un vrai travail énorme. Et en vrai, limite, la veste aurait pu mériter un unboxing à elle-même. Parce que quand j'ai vu
tout, moi c'est pas un truc qui m'intéresse parce que je trouvais ça vraiment trop chargé et tout, ça me ressemblait pas, mais pour Baptiste c'est génial. Et par contre quand je vois tout ce qu'il a mis autour de la veste, c'est exceptionnel. Et c'est là qu'on voit qu'en fait il y a un vrai travail de fou. Enfin, ce qui est dommage ou pas, c'est qu'en fait aujourd'hui, on a énormément de personnes, que ce soit des jeunes, de tout âge, on va tous se jeter par exemple sur des paires de chez Nike ou le packaging. Bah, en fait, ils n'ont pas besoin de taffer là-dessus parce qu'ils ont déjà une réputation derrière et ils ont déjà la clientèle. Alors qu'à côté, on a des petits artistes comme Supra par exemple qui vont faire un taf sur du coup sur le visuel, tout. La veste. Ils vont pas laisser d'erreur. La veste, je l'ai reçue dans une petite sacoche qui était aussi designée par lui, avec des petits stickers. Et c'est pareil, on connaît une autre personne qui a sa marque de vêtements dédiée dans le sport, Léons. Et pareil, t'as un vrai taf au niveau de l'unboxing, du carton. Et ça pareil, c'est des trucs, enfin je veux dire. Quand t'es un jeune artiste, t'as besoin de toucher un large public. Du coup, t'essayes de mettre des petits stickers, des petites choses. Mais c'est vraiment quand toi t'ouvres ta paire ou ton truc que t'as acheté, que t'as ça. C'est génial. Moi, pour le coup, je vais passer direct aux shorts. Ah, aux shorts. Moi, ce que je kiffe en été, c'est prendre des shorts avec de la couleur. Alors, juste ce qu'il a pas dit, c'est qu'il se balade en été, mais sans t-shirt. Hein. Donc, ça coche. Quoi ? Lunettes de soleil. Je me suis jamais baladé comme ça. T'as même pas choisi de t-shirt ? Ah, ouais, mais t-shirt, c'est banal. Genre. Enfin, moi, je sais qu'en été, bah, comme j'en ai là, je vais aller chez Uniqlo, je vais acheter des t-shirts classiques à 10€ qui est une qualité folle. Et c'est hyper léger en été. Vraiment, voilà, là, moi, tu je vois, vais porter ça à mort. Ok, après, je parlerai des shorts. Voilà. Plus tard. Okay. Allez. Non, parle des shorts, vas-y. Donc voilà, moi, pour les t-shirts, je prendrai Uniqlo. Et pour les shorts, par contre, ça, c'est un truc que je kiffe vraiment. C'est prendre des shorts qui ont de la couleur. Et en ce moment, je kiffe les shorts. Maillot de bain Ralph Lauren, c'est vrai, qui ont une couleur et le petit logo en bas d'une autre couleur, et ça je kiffe très fort. Ou Tiller aussi, ils font des très bons shorts. Donc voilà, ça c'est des shorts qui sont hyper légers et ça t'a pas chaud du tout. Et moi je passe mon été avec ça vraiment. Donc moi, pour parler un petit peu au niveau de la sacoche, il y en a une que j'aime beaucoup la sacoche que Dior ils font, la basique, le petit carré avec rectangle, le petit rectangle, ouais, franchement c'est très très efficace. Je trouve le monogramme incroyable, la qualité, elle est folle. Bon, après, est-ce que ça vaut son prix ? Ça, c'est une discussion. C'est une discussion, voilà, mais je la trouve incroyable. Elle est super belle, et voilà pour ma part. Mais elle est encore plus belle en collaboration avec l'artiste. Je me rappelle plus de son nom, mais on mettra à l'écran. Il y a un nom, mais. Vraiment, ouais. Mais on mettra à l'écran, et là, dans la façon dont Baptiste l'a pris, je trouve que c'est un peu trop simple. Mais avec cet artiste-là, je ne me rappelle plus le nom. Si un jour je la retrouve. Ouais, mais c'est introuvable, c'est introuvable. Donc voilà, pour ma part, la petite sacoche. Donc pour les chaussures, et on vous tease un peu, mais je vais me refaire une paire que je vais custom comme j'ai fait pour les Air Force One cette fois-ci, et que je vais poncer, parce que j'ai pris un plaisir fou à poncer mes Air Force One cette fois-ci, parce qu'à chaque fois que je l'avais, ça me rappelait quand on avait fait la vidéo, et là. Juste là, la vidéo, les gars. Et même là, ma Air Force One cette fois-ci, elle est sortie en rail. Ouais. Et j'ai tapé sur YouTube s'il y avait un custom, je tape et je tombe sur une autre vidéo en premier. J'étais grave content, j'étais là, c'est incroyable. Enfin bref, ça sera pas une Air Force One cette fois-ci, vous verrez par la suite. Ma dernière pièce à moi, ce serait un truc qui me va pas du tout, mais je rêverais que ça m'aille. Mais je le fais pour vous si ça vous va, et je trouve que c'est tellement efficace en été. C'est des gros chapeaux, un peu. Je sais pas, je vous montre en montagne sur l'écran, mais vous voyez le cliché des mecs sur leur jet ski avec les dragons. Ah oui. Je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Et t'as une marque en particulier ? Bah, je sais que dans ce fait, ils en font des beaux, mais en vrai, même des Decathlon, ils en font vraiment des trucs qui ont du style. Style, mais vraiment, les gros chapeaux, je trouve ça trop stylé. Même des fois, ils les mettent derrière la tête. Et vraiment, je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment un flot de ouf. Non, ça protège des ouf du soleil. Ça tient bien. Non, c'est vraiment, ça me va pas du tout. Si. Avec les lunettes off-white. Ça me fait une tête de plateau, mais. Franchement, je kifferais en tout cas. Ouais. Original, mais en vrai je pense comme j'avais dit au début, moi ce serait les derniers objets, ce serait les lunettes de soleil. Du coup, j'aimerais bien me choper du coup une petite paire. Pas de casquette, toi, après, attends, c'est pour ça que j'ai dit. Bah, moi j'ai plus d'objets là, moi j'ai tout fait. C'est pour ça que j'ai dit, moi ce serait, comme j'ai dit au début de la vidéo, une paire de lunettes de soleil. Je suis en train de voir. Non, mais j'aimerais bien me trouver un petit chapeau ou les chapeaux de mamie, tu sais, qu'elle met aussi sur la plage en paille. En vrai, c'est que ça t'irait de oublier. Je vous jure, ça irait trop. En vrai, de vrai, quand je suis allé chez mes grands-parents, petite anecdote, elle en a un plutôt, c'est peut-être mieux. Un chapeau. Elle a un chapeau et j'adore. Vous savez, les petits chapeaux de paille, tout basique, pareil. Ça lui irait trop bien, je vous jure. Ouais, je vous jure qu'il a vraiment un look de fermier, ça lui irait trop bien. C'est pas monsieur gentil, il fait des bons fermiers, c'est de l'ancienne, en 1900, t'as des ranchs. Dédicace à tous les fermiers qui nous regardent.
Je pense qu'il y en a un. Bon, voilà l'équipe. Sur ce, dites-nous en commentaire, parce qu'en vrai, nous, on manque sûrement d'inspi. Même envoyez-nous sur Insta et tout, si vous avez des pièces que vous avez déjà ou auxquelles vous pensez, ça nous ferait grave kiffer. Si vous avez des trucs à nous faire découvrir, même des petites marques et tout. Ouais, clairement, contre, clairement. Faites-nous découvrir tout ça, ça nous ferait vraiment kiffer. Puis dites-nous en commentaire s'il y a une pièce que vous avez préférée et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ouais. Sur ce, l'équipe. Sur ce, l'équipe. Gros bisous. Salut l'équipe.